Comment ça va? Et toi? Bah ça va, c'est bizarre, j'ai pas le même public d'habitude là, je sais pas. On va voir si j'ai un public. C'est un public de plus de qualité, moins de quantité, ouais, plus de qualité ce soir. Et qui est un public de meilleure santé, tout simplement. Oui. Après, je trouve, pour commencer, je trouve qu'on a pas assez parlé de la vraie actu, le départ de Kylian Mbappé là, vous en pensez quoi là? On bat les couilles. Hein. Mbappé. Et machin chouette, rien à foutre. Voilà, merci Claude Makélélé, le Moubélé français, si jamais il y en a qui ont du mal un petit peu à le situer. On l'embrasse. On l'embrasse. Un mois déjà depuis ma dernière chronique et encore beaucoup de choses. On était quasiment en Ligue 2 à l'époque et là on est aux portes de l'Europe d'après Twitter, le lieu permanent du championnat de France de retournement de veste. Retournement qui des fois en lui dans un même match, c'est plus une analyse foot, c'est de la maladie mentale, un petit peu comme notre coach sur le banc de touche. Toi t'aimes bien quand Camille, quand tu le vois réagir, se lever, courir partout. La dernière fois sur une relance de Gélabert, les soigneurs sont précipités sur lui. Ils pensaient qu'il est en train de convulser là, ce qu'il disait juste Bamos Cabron, joue bien ou je te renvoie à Mirandes. En parlant de renvoyer des joueurs, sacré masterclass en fin de mercato. On a réussi à se débarrasser de Zanden, preuve qu'il n'y a pas internet au Danemark, et de Hogg. Hogg était venu pour se faire un nom, pas une carrière apparemment. Cerber aussi, il retourne en prêt, en Bulgarie. Mais j'ai quand même regardé le rang de ce pays parmi les autres nations européennes, et c'est quand même le 8e pays d'Europe. Le 8e pays d'Europe avec la plus forte consommation d'alcool par habitant, ce qui explique ce nouveau prêt. L'actu du mois quand même, c'est la double confrontation face à Benfica, le déplacement historique de milliers de Toulousains, et pour une fois, il n'y a pas que des retraités qui partent au Portugal. On a eu le suspense sur la tenue ou non du match avec les grèves des policiers. Mais là-bas, ils savent tenir hein, un mouvement hein, jusqu'au bout. Hein. Ouais. Dans la panique, ils ont dû remplacer leurs officiers par des proctologues et des gynécologues. En France, on a le trou de la sécu. Eux, c'est l'inverse. Ils ont la sécu dans le trou. Voilà, c'est visuel. La fouille était tellement poussée que Camille a vécu la même expérience que Jean-Marc, la marionnette de Jeff Panaclock avant chaque spectacle. J'ai Allez, j'ai pas pris de doigt, moi. Ça va être l'instant imitation. C'est pour Nathan. Salut, Tronic! On essaie de faire un trait chez Vigène? Ah non, pardon, c'est ta prostate que je titille! Voilà. Vous pouvez me retrouver, bien sûr, au casino Barrière avec Nicolas Hyssen. Niveau sensation, Ben, il a connu la même chose. Il n'est pas allé à Lisbonne, il a juste regardé Montpellier-Marseille ce dimanche. Il est assis sur une bouée depuis, on l'embrasse. Au match retour aussi, on a une douleur au bas du dos, mais pas pour les mêmes raisons. Scénario cruel. On y a tellement cru qu'on était déjà en train de réserver des places pour la finale à Dublin. La seule chose qui s'en rapprochera, c'est un brunch au Danube, évidemment. Niveau fouille au stadium, on a dû être un peu inquiet de tâter le taureau de Saint-Cernin. Du coup, c'est passé assez facilement niveau fumigène. Benfica a même fait un craquage, mais en silence. Les gars, ils ont inventé un concept, le recueillement avec fumigène. Même Louis II à côté, c'était le Hellfest, quand même. Retour à la Ligue 1. Mais avant, petit spot de prévention. L'adolescence est parfois une période exaltante, pleine de possibilités et de libertés nouvelles. Mais elle peut aussi être marquée par les soucis liés aux examens, aux relations, aux influences des autres jeunes et aux dernières tendances. Avec Donum, il est passé à Rondonum, le petit crochet, le sort, ah, c'est pas possible, Spirigs. Pour certains, tout cela est trop dur à supporter et ils mettent fin à leur jour. C'est notre ami Sacha, comment il va? Ben ça va pas. Le suicide n'est pourtant jamais la solution. Voilà, on embrasse Sacha, petit ange, parti trop tôt. En plus, il n'est pas là aujourd'hui, c'est génial. Voilà, hein, on espère qu'il va bien. Hein. Lâche cette corde, Sacha. Allez, lors du dernier match, du coup, contre Lille, l'entraîneur belge donc, du LOSC, Paolo Fonseca, a sorti son téléphone en conférence de presse pour se plaindre du hors-jeu. Apparemment, la marque du téléphone, c'était un Samsung. Se plaindre de l'arbitrage, c'est vraiment la marque des faibles. On coupera ça en montage, hein, évidemment. Excusez-moi. En tout cas, 2 mois que les JT nous parlent des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. Faudrait dire aux Lillois d'arrêter de chouiner. Ça fera baisser le niveau des nappes phréatiques et ça évitera au ministre de se rendre sur place pour, je cite, parler aux bouseux en portant des bottes. Ce que nous, on appelle un dimanche au marché de Saint-Giron. Allez, on se retrouve dans un mois. D'ici là, soit on jouera à l'Europe, soit on sera en Ligue 2, mais au moins, on ne sera pas coaché par Jean-Louis Grassouillet. Allez. Oh, oh, oh. Ouais, la dernière. Ouais. Ouais, on l'embrasse, les amis lillois. Hein ouais. Les embrasse. Je suis pas sûr de l'embrasser par contre. On avait ramené un peu d'essuie-tout pour les aider aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, putain.